qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût, de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente. Comme on voit dans l'allée de foin, nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane, à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. Un après-dîner. J'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays, où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre sans ostentation ce que la nature lui a donné de bonnes qualités et ce qu'il en a reçu de mauvaises sans pudeur. Je n'estime point ces originaux-là. Mais s'ils m'arrêtent quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, s'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente, il secoue, il agite, il fait sortir la vérité. Je connaissais celui-ci de longue main. C'est le neveu de Rameau, ce musicien célèbre, qui nous a délivré du plein chant de Lully et qui a tant écrit sur la théorie de la musique où ni lui ni personne n'entendit jamais rien. Je connaissais le neveu de longue date. Quelquefois, il est maigre et hâve. Comme un malade au dernier degré de la consomption, compterait ses dents à travers ses joues, on jurerait qu'il a passé plusieurs jours sans manger ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, en culotte déchirée, parce que sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe. On serait tenté de lui donner l'aumône. Ah, vous voilà, monsieur le philosophe. Que faites-vous ici parmi ce tas de fainéants? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois? Non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant ceux qui le poussent bien. En ce cas, vous vous amusez rarement. Excepté Le Gall et Philidor, le reste n'y entend rien. Je vois que vous ne faites grâce qu'aux hommes sublimes. À quoi bon la médiocrité dans ces gens? C'est qu'il faut qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui s'y appliquent pour faire sortir l'homme de génie. Il est un dans la multitude. Mais il y a une éternité que je ne vous ai vu. Je ne pense guère à vous quand je ne vous vois pas. Mais vous me plaisez toujours à voir. Qu'avez-vous fait? Ce que vous, moi et tous les autres font. Du bien, du mal et rien. Et puis j'ai eu faim, j'ai mangé, quand l'occasion se me présentait. Après avoir mangé, j'ai eu soif, et j'ai bu. Quelquefois. Cependant, la barbe me venait, quand elle a été venue, je l'ai fait raser. Vous avez mal fait. C'est la seule chose qui vous manque pour être un sage. Oui, là, j'ai le front grand et ridé, l'œil ardent, la bouche bien fendue. Savez-vous que si ce vaste menton était couvert d'une longue barbe, cela figurerait fort bien en bronze, ou en marbre? Mais à côté d'un César, d'un Marc Aurèle, d'un Socrate? Non. Je serais mieux entre Diogène et Phryné. Je suis effronté comme l'un, et je fréquente volontiers chez les autres. Vous portez-vous toujours bien? Oh, pas merveilleusement aujourd'hui. Votre oncle, le voyez-vous quelquefois? Oui, passé dans la rue. Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien? Mais s'il en fait à quelqu'un, c'est sans s'en douter. C'est un philosophe dans son espèce, il ne pense qu'à lui. Le reste de l'univers, lui, est comme d'un clou à souffler. Sa fille et sa femme n'ont qu'à mourir quand elles voudront. Pourvu que les cloches de la paroisse qu'on sonnera pour elle continuent de résonner la 12e et la 17e, tout sera bien. C'est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu'à une chose, passer cela, rien. Ils ne savent ce que c'est d'être citoyen, père, frère, parent, ami. Entre nous, il faut leur ressembler de tout point. Mais ne pas désirer que la graine en soit commune. Il faut des hommes, mais pour des hommes de génie, point.
Oh. Non, non, ma foi, il n'en faut point. Ce sont eux qui changent la face du globe. Et dans les plus petites choses, la sottise est si puissante et si commune qu'on ne la réforme pas sans charivari. Si je savais l'histoire, je vous montrerais que le mal est toujours venu ici-bas par quelque homme de génie. Oh, oh. Mais je ne sais pas l'histoire. Parce que je ne sais rien. Le diable m'emporte si j'ai jamais rien appris, et si pour n'avoir rien appris, je m'en trouve plus mal. Les gens de génie sont détestables. Et si un enfant apportait en naissant sur son front la caractéristique de ce dangereux présent de la nature, il faudrait ou l'étouffer ou le jeter au cagnard. Mmh. Tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers, ou comme dit le proverbe, qu'il n'y a point de grands esprits sans un grain de folie. Non, on n'en reviendra pas. L'homme de génie qui décrit une erreur générale ou qui accrédite une grande vérité est toujours un être digne de notre vénération. Je n'entends pas grand-chose à ce que vous me débitez là. C'est apparemment de la philosophie. Je vous préviens, je m'en mêle pas. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais bien être un autre. Ah. Au hasard d'être un homme de génie. Je n'en ai jamais entendu louer un seul que son éloge ne m'ait fait secrètement enragé. Quand j'apprends de leur vie privée quelques traits qui les dégradent, je l'écoute avec plaisir. Ça nous rapproche. J'en supporte plus aisément ma médiocrité. Je suis envieux. Je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des Indes galantes, jamais entendu chanter « Oh, nuit qu'il est profonde » en silence. Mmh. Sans me dire, avec douleur, voilà ce que tu ne feras jamais. Sol, ré, si, sol, ré. Sol, sol, la, 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 si, do, si. Ces deux morceaux-là, tu en aurais bien fait deux autres. Et quand tu en aurais fait un certain nombre, on te jouerait, on te chanterait partout. Les autres te désigneraient du doigt. On dirait, c'est lui qui a fait la jolie gavotte. Do, si, si, la, sol, la, mi, ré. Si, la, si, do, si, la, sol, la, si, ré, do. Tu aurais une bonne maison, de bon vin, un bon lit, de jolies femmes. 100 faquins te viendraient encenser tous les jours. On te dirait le matin que tu es un grand homme, le soir tu serais convaincu que tu es un grand homme. Et le grand homme Rameau le neveu s'endormirait au doux murmure de l'éloge qui retentirait à son oreille. Grand homme, grand homme, grand homme, même en dormant il aurait l'air satisfait, sa poitrine se dilaterait, s'abaisserait avec aisance, il ronflerait comme un grand homme. Vous croyez donc que l'homme heureux a son sommeil? Si je le crois. Hélas, moi, pauvre père, lorsque le soir j'ai gagné mon grenier, ou la paille de quelque écurie. Vous avez encore un morceau de votre matelas dans les cheveux. Que je me suis fourré dans mon gramat, je suis ratatiné sous ma couverture, j'ai la poitrine étroite, la respiration étouffée. C'est une espèce de plainte faible qu'on entend à peine. Au lieu qu'un financier fait retentir son appartement. Il étonne toute sa rue. Bah, ce qui m'afflige aujourd'hui, ce n'est pas de dormir et de ronfler, mais ce qui m'est... Cela est pourtant triste. Ce qui m'est arrivé l'est bien davantage. Qu'est-ce donc? Vous avez toujours pris quelque intérêt à moi parce que je suis un bon diable. Mmh. Que vous méprisez, dans le fond. Ah ouais? Mais qui vous amuse. Ah ouais, c'est la vérité. Eh bien, je vais vous le dire. Oh, 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 oh. Vous savez que je suis un ignorant, un fou, un sot, un vaurien, un paresseux. Ce que vos bourguignons appellent un fief et truand. Une panégyrique? Il est vrai, de tout point. Il n'y en a pas un mot à rabattre. Point de contestation là-dessus, s'il vous plaît. Personne ne me connaît mieux que moi. Et je ne dis pas tout. Je ne veux pas vous fâcher, je conviendrai de ce qu'il vous plaira. Mmh. Eh bien,
Je vivais chez des gens. La petite Husse du Théâtre Français et son amant, le gros financier Bertin. Il m'avait pris en gré, précisément parce que j'étais doué à un rare degré de toutes ses qualités. J'étais comme un coq en pâte. On me fêtait, j'étais leur petit Rameau, leur gentil Rameau. Rameau l'impertinent, le fou, le bouffon, l'escroc, le gourmand, la grosse bête. Il n'y avait pas une seule de ces familières épithètes qu'il me valut un sourire, une caresse, un soufflet, un coup de pied, à table, un bon morceau qu'on me jetait dans mon assiette. Ah ! Le grand chien que je suis, j'ai tout perdu. Tout perdu. Pour avoir eu le sens commun, une fois. Une seule fois en ma vie, si ça m'arrive jamais. Mais de quoi s'agissait-il donc ? Une sottise incomparable, irrémissible. Mais quelle sottise encore ? Mais la sottise d'avoir eu un peu de goût, un peu d'esprit, un peu de raison. Rameau, mon ami, ça vous apprendra à rester ce que Dieu vous fit et ce que vos protecteurs vous voulaient. Aussi, on vous a pris par les épaules, on vous a poussé à la rue, on vous a dit « faquin, tirez », ne reparaissez plus. Ça veut avoir du sens et de la raison, je crois. Tirez ! Nous avons de ces qualités-là, de reste. Vous en êtes allé en vous mordant les doigts, mais c'est votre langue maudite qu'il fallait mordre. Auparavant, mais n'y aurait-il pas moyen de se rapatrier ? La faute que vous avez commise est-elle si impardonnable ? À votre place, j'irai retrouver mes gens. Vous leur êtes plus nécessaire que vous le croyez. Je suis sûr qu'à présent qu'ils ne m'ont plus pour les faire rire, ils s'ennuient comme des chiens. J'irai donc les retrouver. Je ne leur laisserai pas le temps de se passer de moi. De se tourner vers quelque amusement honnête cas. Hein? Qui sait ce qui peut arriver? Oh, c'est pas là ce que je crains. Ça n'arrivera pas. Quelque sublime que vous soyez, un autre peut vous remplacer. Difficilement. D'accord. Mais cependant, j'irai avec ce visage égaré, ces yeux effarés, là, ce col débraillé, ces cheveux ébouriffés dans l'état vraiment tragique où vous voilà, je me jetterai aux pieds de la divinité, je me collerai la face contre terre et sans me relever, je lui dirai d'une voix basse et suppliante, pardon, madame, pardon. Pardon, madame, je pardon. Je suis un indigne, un infâme. Je suis un indigne, un infâme. Ce fut un malheureux instant. Un malheureux instant. Vous savez que je ne suis pas sujet à avoir du sens commun. Oh non, pas sujet du tout. Et je vous promets de n'en avoir de ma vie. Oui, ma petite reine, je vous le promets, je n'en aurai de ma vie, de ma vie. Oui, vous avez raison, je crois que c'est le mieux. Mais aller s'humilier devant une guenon, crier miséricorde au pied d'une petite histrionne que les sifflets du parterre poursuivent sans cesse, moi, Rameau, fils de monsieur Rameau, apothicaire et organiste de Dijon. Un homme de bien qui n'a jamais fléchi le genou devant qui que ce soit, moi, Rameau, le neveu de celui qu'on appelle le grand Rameau, moi qui ai fait des pièces de clavecin que personne ne joue, et qui sont peut-être les seuls à passer à la postérité, qui les joue à moi, j'irai te tenir, monsieur, ça ne se peut. Je me sens là quelque chose qui s'élève et qui me dit, Rameau, tu n'en feras rien. Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme que rien ne peut étouffer. Ça se réveille à propos de bottes. Oui, à propos de bottes. Car il y a d'autres jours où il ne m'en coûterait rien pour être vil tant qu'on voudrait. Ces jours-là, pour un liard, je baiserai le cul à la petite Husse. Et l'ami, elle est blanche, jolie, jeune, douce, potelée. Et c'est un acte d'humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s'abaisser. Entendons-nous, il y a baiser le cul au simple et baiser le cul au figuré. Si l'expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d'être gueule. Ah, monsieur le philosophe, la main sur la conscience. Il fut un temps où vous n'étiez pas cossu comme aujourd'hui. Je ne le suis pas encore trop. Ne donniez-vous pas alors des leçons de mathématiques? Sans en savoir un mot, n'est-ce pas là que vous vouliez en venir? Justement. Mais j'apprenais en montrant aux autres, et j'ai fait quelques bons écoliers. Ça se peut. Mais il n'en va pas de la musique comme de l'algèbre ou de la géométrie. Aujourd'hui que vous êtes un gros monsieur, pas si gros. Que vous avez du foin dans vos bottes, très peu. Vous donnez des maîtres à votre fille. Pas encore, c'est sa mère qui se mêle de son éducation. Sa mère? Il faut avoir la paix chez soi. Quel âge a votre enfant? Cela ne fait rien à l'affaire. Quel âge a votre enfant? Que diable! Laissons là mon enfant et son âge. Tu Dieu, je ne sache rien de si têtu qu'un philosophe.
En vous suppliant très humblement, ne pourrait-on savoir de Monseigneur le philosophe quel âge à peu près peut avoir Mademoiselle sa fille? Supposez-lui 8 ans. 8 ans 8 ans Il y a 4 ans que cela devrait avoir les doigts sur les touches. Mais peut-être ne me souciais-je pas trop de faire entrer dans le plan de son éducation une étude qui occupe si longtemps et qui sert si peu. Et que lui apprendrez-vous donc, s'il vous plaît? À raisonner juste si je puis. Oh. Chose si peu commune parmi les hommes et plus rare encore parmi les femmes. Laissez-la donc déraisonner tant qu'elle voudra, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Hein. Puisque la nature a été assez ingrate envers elle pour lui donner une organisation délicate, avec une âme sensible, et l'exposer néanmoins aux peines de la vie. Je lui apprendrai, si je puis, à les supporter avec courage. Laissez-la donc pleurer et souffrir comme les autres, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Quoi? Point de danse, point de chant, point de musique? Ah, s'il y avait un bon maître d'harmonie, je la lui confierais volontiers 2 heures par jour pendant 1 ou 2 ans, pas davantage. Et à la place des choses essentielles que vous supprimez? Je mets de la grammaire, de la fable, de l'histoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de morale. Et ces maîtres, vous espérez qu'ils seront la grammaire, la fable, l'histoire, la géographie, le dessin et la morale dont ils lui donneront des leçons? Chansons, mon bon maître, chansons. S'il possédait ces choses assez pour les monter, il ne les monterait pas. Et pourquoi? C'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier. Il faut être profond dans l'art ou dans la science pour en bien posséder les éléments. C'est le milieu et la fin qui éclaircissent les ténèbres du commencement. C'est qu'après 30 ans d'exercice, que le cher oncle Rameau a entrevu la théorie musicale, les premières lueurs. Faux, comment se fait-il que dans ta mauvaise tête, il y ait des idées si justes, pêle-mêle avec tant d'extravagance? Mais qui diable sait cela? C'est le hasard qui vous les jette, et elles demeurent. Tant il y a que si on ne sait pas tout, on ne sait rien. Autant vaudrait ignorer que de savoir si mal et si peu. Et c'était précisément où j'en étais quand je me fis maître d'accompagnement et de composition. Ah, vous avez montré l'accompagnement et la composition. Oui. Hein, vous n'en savez rien du tout. Non, ma foi. Et c'est pourquoi il y en avait de pires que moi, ceux qui croyaient savoir quelque chose. Au moins, je ne gâtais ni le jugement, ni les mains des enfants, en passant de moi à un bon maître. Comme il n'avait rien appris, du moins n'avait-il rien à désapprendre. Et c'était toujours autant de temps et d'argent épargné. Comment faisiez-vous donc? Comme ils font tous. J'arrivais de la mer. Je me jetais dans une chaise. Que le temps est mauvais, que le pavé est fatigant. Je bavardais quelques nouvelles. Mademoiselle Lemière devait faire un rôle de Vestale dans l'opéra nouveau, mais elle est grosse pour la seconde fois, on ne sait qui la doublera. Madame Untel est accouchée de 2 enfants à la fois, cela est au mieux, chaque père aura le sien. Allons, mademoiselle, prenez votre livre. Tandis que mademoiselle, qui ne se presse pas, cherche son livre qu'elle a égaré, je continue. Le bruit coque de Voltaire est mort, tant mieux, la mère, pourquoi tant mieux? C'est qu'il va nous donner quelques bonnes folies. C'est son usage que de mourir une quinzaine auparavant. On riait, on s'écriait, il est toujours charmant. Cependant, mademoiselle, son livre retrouvé sous un fauteuil, se mettait à son clavecin. D'abord, elle y faisait du bruit, toute seule. Ensuite, je m'approchais. Après avoir fait à la mère un signe d'approbation, ça ne va pas mal. La mère, on n'aurait qu'à vouloir, mais on ne veut pas. On aime mieux perdre son temps à jaser, à chiffonner. Aussi, monsieur Rameau, vous ne la grondez jamais. Comme il fallait bien faire quelque chose, je lui prenais les mains que je lui plaçais autrement. Je me dépitais, je criais « Sol, 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 c'est un sol !» Mademoiselle, la mère, ma fille, n'avez-vous point d'oreille? Moi qui ne suis pas à votre clavecin et qui ne puis lire dans votre livre, je sens qu'il faut un sol. Alors je rabattais un peu les coups et hochant de la tête, je disais « Cela pourrait aller mieux si mademoiselle étudiait un peu, bon, ça ne va pas mal. » Ah, oh, la mère. Oh, monsieur Rameau, vous la flattez, vous la donnez la leçon, la seule chose qu'elle retiendra et qu'elle sera bien me répéter dans l'occasion. L'heure se passait.
Mon écolière me présentait le petit cachet avec la grâce du bras et la révérence qu'elle avait apprise de son maître à danser. Je l'empochais, la mère. Par bienséance, je bavardais encore un moment. Ensuite, je disparaissais. Et voilà ce qu'on appelle alors une leçon d'accompagnement. Et aujourd'hui, alors c'est dans autre chose. Oh, vertu Dieu, je le crois. J'arrive. Je suis grave, je me hâte de jeter mon manchon. La mer. J'ouvre le clavecin. J'essaie les touches. Je suis toujours pressé. Si on me fait attendre un moment, je crie comme si on me volait un écu. Dans une heure d'ici, il faut que je sois là. Dans deux heures, chez madame la duchesse Intel. Je suis attendu à dîner chez une belle marquise. Et au sortir de là, c'est un concert chez monsieur le baron de Bach. Rue Neuve des petits chansons. Cependant, vous n'êtes attendu nulle part. Il est vrai. Alors pourquoi employer toutes ces villes petites ruses-là? Ville? En quoi, s'il vous plaît? Mais, monsieur le philosophe, il y a une conscience générale, comme il y a une grammaire générale. Et puis, dans chaque langue, des exceptions que vous autres savants appelez, je crois, des des idiotismes. Idiotismes, tout juste. Eh bien, chaque État a ses exceptions à la conscience générale, auxquelles je donnerais volontiers le nom d'idiotisme de métier. J'entends, hein. Je donne la leçon, je la donne bien, voilà la règle générale. Je laisse croire que j'en ai plus à donner que la journée n'a d'heure, voilà l'idiotisme de métier. Et la leçon, vous la donnez bien. Bien, pas mal, oui. Ah. Passablement. Ah. Autrefois, je volais l'argent de mes écoliers. Ah, si, si, je le volais, cela est sûr. Je le volais. Aujourd'hui, je le gagne. Au moins comme les autres. Et le voliez-vous sans remords? On dit que si un voleur vole l'autre, le diable s'en rit. Les parents regorgeaient d'une fortune acquise, Dieu sait comment. C'était des gens de cour, des financiers, de gros commerçants, des banquiers, des gens d'affaires. Je les aidais à restituer. Dans la nature, toutes les espèces se dévorent. Toutes les conditions se dévorent dans la société. Nous faisons justice les uns des autres sans que la loi s'en mêle. Il n'y a que le coup d'œil qu'il faut avoir juste. J'admire le vôtre, hein. Et puis, la voix de la conscience et de l'honneur est bien faible quand les boyaux crient. Suffit que si je deviens jamais riche, il faudra bien que je restitue. Ah, il faudra que je restitue. Et que je suis bien résolu à restituer de toutes les manières possibles. Mais j'ai peur que vous ne deveniez jamais riche. Moi, j'en ai le soupçon. S'il en arrivait autrement, hein, que feriez-vous? Je serais le plus insolent maroufle qu'on eût encore vu. Je me rappellerai ce qu'ils m'ont fait souffrir. Je rendrai bien les avalies qu'ils m'ont faites. J'aime à commander et je commanderai. J'aime qu'on me loue et l'on me louera. Je leur dirai, comme on me l'a dit, allons faquin qu'on me fasse rire. Et l'on me fera rire. Qu'on me déchire les honnêtes gens. Et on les déchirera, si on en trouve encore. Et puis nous aurons des filles. Nous nous enivrerons. Nous aurons toutes sortes de travers et de vices. Ce sera délicieux. Nous en donnerons sur dos et ventre à tous ces petits catons comme vous qui nous méprisent par envie, dont la modestie est le manteau de l'orgueil et la sobriété la loi du besoin. Au digne emploi que vous feriez de la richesse, je vois combien c'est grand dommage que vous soyez gueux. Quoi que vous moquez de moi, monsieur le philosophe. Vous ne vous doutez pas que, dans ce moment-ci, je représente la partie la plus importante de la ville et de la cour. Voilà, vous en êtes, vous autres. Vous croyez que le même bonheur est bon pour tous. Quelle étrange vision. La sagesse, la philosophie sont-elles faites pour tout le monde? En a qui peut, en conserve qui peut. Imaginez l'univers sage et philosophe. Convenez qu'il serait diablement triste. Tenez, vive la sagesse de Salomon. Boire de bon vin, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes. Passer cela, le reste n'est que vanité. Quoi, défendre sa patrie? Vanité, il n'y a plus de patrie.
Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Alors servir ses amis. Est-ce qu'on a des amis? Et quand on en aurait, faudrait-il en faire des ingrats? La reconnaissance est un fardeau, et tout fardeau est fait pour être secoué. Avoir un état dans la société et en bien remplir les devoirs. Validé. Qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche, puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Alors veillez à l'éducation de ses enfants. Validé, c'est l'affaire d'un précepteur. Mais si ce précepteur pénétré de vos principes néglige ses devoirs, qui est-ce qui en sera châtié? Peut-être un jour le mari de ma fille ou la femme de mon fils, mais ma foi, ce ne sera pas moi. Mais si l'un et l'autre se précipitent dans la débauche, les vices... Mais cela est de leur état. S'ils se déshonorent... Quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer quand on est riche. S'ils se ruinent... Tant pis pour eux. Ce qui rend les gens du monde si délicats sur leurs amusements, c'est leur profonde oisiveté. Ne croyez pas ça. Il s'agit beaucoup... Comme il ne se lasse jamais, il ne se délasse jamais. Ne croyez pas ça, ils sont sans cesse excités. Mais c'est qu'ils ne connaissent du bonheur que la partie qui s'émousse le plus vite. Je ne méprise pas les plaisirs des sens, j'ai un palais aussi. Il est flatté d'un mets délicat ou d'un vin délicieux. J'ai un cœur et des yeux et j'aime avoir une jolie femme. J'aime à sentir sous ma main la fermeté, la rondeur de sa gorge. À presser ses lèvres des miennes, à puiser la volupté dans ses regards, à en expirer entre ses bras, quelquefois avec mes amis. Une partie de débauche, hein, même un peu tumultueux, ne me déplaît pas. Mais je ne vous le dissimulerai pas, il m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux. Et donner un conseil salutaire. Faites une lecture agréable. Une promenade avec un homme ou une femme. Cher à mon cœur, passez quelques heures instructives avec mes enfants. Écris une bonne page. Je connais telle action que je voudrais avoir faite pour tout ce que je possède. À votre compte, il faudrait donc être... d'honnêtes gens. Pour être heureux, assurément. Mais cependant, je vois une infinité de gens honnêtes qui ne sont pas heureux et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes. Il vous semble? Mais n'est-ce pas pour avoir eu du sens commun et de la franchise un moment que je ne sais où aller souper ce soir? Non, c'est pour n'en avoir pas toujours eu. C'est pour n'avoir pas senti de bonheur qu'il fallait d'abord se faire une ressource indépendante de la servitude. Indépendante ou non, celle que je me suis faite est au moins la plus aisée. Et la moins sûre et la moins honnête. Mais la plus conforme à mon caractère de fainéant, de sot et de voyant. Sur ce point, d'accord. Et puisque je puis faire mon bonheur par des vices qui me sont naturels, que j'ai acquis sans travail, que je conserve sans effort, c'est bien singulier que j'allasse me tourmenter comme une âme damnée pour me bistourner et me faire autre que je ne suis. La vertu se fait admirer, mais l'admiration n'est pas amusante. La vertu se fait respecter, mais le respect est incommode. On loue la vertu, mais on la fuit, mais on la hait. Mais elle gèle de froid, et dans ce monde, il faut avoir les pieds chauds. L'ami Rameau, s'il se mettait un jour à catoniser, que serait-il? Un hypocrite. Il faut que Rameau soit ce qu'il est. Un brigand heureux, parmi des brigands opulents. D'après cela, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de retourner bien vite dans la maison d'où vous vous êtes imprudemment fait chasser. Et de faire ce que vous ne désapprouvez pas au simple et qui me répugne au figuré. C'est mon avis. Hein? Je veux bien être abject, mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité. Vous riez. Ah ouais, votre dignité me fait rire. Et chacun a la sienne. Je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion, non à l'ordre d'autrui. Faut-il qu'on puisse me dire « rampe » et que je sois obligé de ramper? C'est l'allure du vers, c'est mon allure, nous la suivons l'un et l'autre quand on nous laisse aller, mais nous nous redressons quand on nous marche sur la queue. On m'a marché sur la queue et je me redresserai. Mais vous n'avez pas d'idée de la pétaudière dont il s'agit là-bas, chez Bertin? Ah, c'est... Bertin? Imaginez un maussade et mélancolique personnage dévoré de vapeurs, enveloppé de trois tours de robe de chambre,
qui se plaît à lui-même et à qui tout déplaît. Mon hypocondre, la tête enfoncée dans un bonnet de nuit qui lui couvre les yeux, a l'air d'une pagode immobile. À laquelle on aurait attaché un fil au menton d'où il descendrait jusque sous son fauteuil. On attend que le fil se tire, mais il ne se tire point. Et s'il arrive que la mâchoire s'entoure, c'est pour articuler un mot désolant qui est la réponse à une question que vous lui aurez faite il y a 4 jours. Ce maudit, le ressort mastoïde de se détend et la mâchoire se referme. Oui, mademoiselle, vous avez raison, il faut mettre de la finesse, là. Sombre, triste et tranché comme le destin, quel est notre patron? Rira-t-il? Ne rira-t-il pas? Voilà la question qu'il faut que je me pose au milieu de mes contentions. Ah! Qui pourrait s'assujettir à un rôle pareil? Si ce n'est le misérable qui trouve là 2 ou 3 fois la semaine de quoi calmer la tribulation de son intestin. Ça ne peut s'excuser que par le borborygme d'un estomac qui souffre. Ceux d'entre vous qui ne sont pas de grands vauriens doivent être de grands sots. Mais il faut cependant que vous ayez péché une fois contre les principes de l'art. Qu'il vous soit échappé par mégarde quelques-unes de ces vérités amères qui blessent, car en dépit du rôle misérable, vil, abject, abominable que vous faites, je crois qu'au fond, vous avez l'âme délicate. Ah ! Le diable m'emporte si je sais au fond ce que je suis. Je dis les choses comme elles viennent, sans c'est tant mieux. Impertinente, on n'y prend pas garde. Je n'ai pensé de ma vie, ni avant que de dire, ni en disant, ni après avoir dit. Ainsi, je n'offense personne. Mais ça vous est pourtant arrivé avec les honnêtes gens chez qui vous viviez et qui avaient pour vous tant de bonté. Ah, que voulez-vous, c'est un malheur. Un mauvais moment comme il y en a dans la vie. Point de félicité continue. J'étais trop bien, ça ne pouvait durer. Vous ne doutez pas du jugement que je porte de votre caractère? Oh, nullement, nullement. Je suis à vos yeux un être très abject, très méprisable. Je le suis aussi quelquefois, mais rarement. Rarement. Je me félicite plus souvent de mes vices que je ne m'en blâme. Vous êtes plus constant dans votre mépris. C'est vrai, mais pourquoi me montrer toute votre turpitude? D'abord parce que vous en connaissiez une bonne partie. Et que je voyais plus à gagner qu'à perdre, à vous avouer le reste. Hein. Comment cela, s'il vous plaît? Bon. S'il importe d'être sublime en quelque genre, c'est surtout en mal. On crache sur un petit filou. Mais on ne peut refuser une sorte de considération à un grand criminel. Son courage étonne, son atrocité fait frémir. On prise en tout l'unité de caractère. Mais cette estimable unité de caractère, vous ne l'avez pas encore. Je vous trouve de temps en temps vacillant. Dans vos principes, il est incertain. Si vous tenez votre méchanceté de la nature ou de l'étude, et si cette étude vous a porté aussi loin qu'il est possible. J'y fais de mon mieux. Je veux que vous connaissiez jusqu'où j'excelle dans mon art. Vous arrachez l'aveu que je suis au moins original dans mon avilissement. Me placer dans votre tête sur la ligne des grands vauriens et m'écrier ensuite « Vivat Mascarillus furbam imperator !» Allons, guide, monsieur le philosophe, chorus. Vivat Mascarillus furbam imperator. Vivat Mascarillus furbam imperator. Vous avez l'air soucieux d'un homme que quelque idée tracasse. Ah bah oui, ah oui, c'est cela. Oui. Do, do, ré, do, do, ré, do, 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 fa, do, 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 ré, do, ré, do, ré, do, do, fa, do, do, seul. Eh bien, messieurs, qu'est-ce qu'il y a? D'où viennent vos rires? Et votre surprise, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un pauvre misérable, rongé de peine et de soucis, rongé de peine et de soucis. Trouvez-vous de la beauté dans ces nouveaux chants? Soyez le gardien secourable du trésor que je vous remets. Si cela est beau, morbleu, si cela est beau, comment peut-on porter à sa tête une paire d'oreilles et faire de pareilles questions? Un bien si cher m'était ravi, un bien si cher m'était ravi. J'en suis de frayeur tout transi. De frayeur, tout transi, de frayeur. De frayeur, tout transi. Voilà ce qu'on peut taper de la musique. Les notes
ne savent pas encore ce qui convient aux musiciens. La poésie lyrique est encore à naître chez nous. Mais ils y viendront en entendant les Italiens. Il faudra bien qu'ils y viennent. Quoi donc, est-ce que Tino, Lamotte ou Fontenelle n'y ont rien entendu? Pour le nouveau style, rien. Il n'y a pas 6 vers de suite dans tous leurs charmants poèmes qu'on puisse musiquer. Oh. Pas 6 vers de suite. Il n'y a rien là qui puisse servir de modèle au chant. J'aimerais autant avoir à musiquer les maximes de La Rochefoucauld ou les pensées de Pascal. Point d'esprit, point d'épigramme, point de toutes ces jolies pensées. Tout cela est trop loin de la simple nature. C'est au cri animal de la passion à nous dicter la ligne qui compte. Aïe. Oh, ah, ah. C'est ce que j'ai. Quand je suis entré ici, j'étais frais et dispo. Me voilà roué, brisé, comme si j'avais fait dire. Ça m'a pris sur le coup. Voulez-vous vous rafraîchir? Je souffre de la poitrine. Cela me prend ainsi presque chaque jour sans que je sache pourquoi. L'air est presque toujours la péroraison de la scène. La tendresse du musicien, la tendresse du poète lyrique, doit être extrême. Ma Trinité, le vrai, qui est le Père, qui engendre le bon, qui est le Fils. D'où procède le beau, qui est le Saint-Esprit. Ma Trinité s'établit, elle s'établit. Du train dont l'art s'avance, je ne sais où il aboutira. En attendant, buvons un coup. Dites-moi, comment il est arrivé qu'avec un tact aussi fin, une si grande sensibilité pour les beautés de l'art musical, vous soyez aussi aveugle sur les belles choses morales, aussi insensible au charme de la vertu. C'est apparemment qu'il y a pour les unes un sens que je n'ai pas. Une fibre qui ne m'a point été donnée, une fibre lâche, qu'on a beau pincer, qui ne vibre pas. Ou bien, c'est peut-être que j'ai toujours vécu avec de bons musiciens et avec de méchants gens. D'où il est arrivé que mon oreille est devenue très fine et que mon cœur est devenu sourd. Et puis, c'est qu'il y avait quelque chose de rare. La molécule paternelle était dure. Cette maudite molécule première s'est assimilée tout le reste. Aimez-vous votre enfant? Si je l'aime, le petit sauvage, j'en suis fou. Est-ce que vous ne vous occuperez pas sérieusement d'arrêter en lui l'effet de la maudite molécule paternelle? J'y travaillerai, je crois, bien inutilement. S'il est destiné à être homme de bien, je n'y nuirai pas. Mais si la molécule voulait qu'il fût un vaurien comme son père, les peines que j'aurais prises d'en faire un honnête homme lui deviendrait très nuisible. L'éducation, croisant sans cesse la pente de la molécule, il serait tiré comme par deux forces contraires et marcherait tout de guingois dans le chemin de la vie, avant que la molécule paternelle n'eût repris le dessus et ne l'eût amené à cette parfaite abjection où j'en suis. Il lui faudrait un temps infini. Il y perdrait ses plus belles années.
Mais non, je le laisse venir, je l'examine. Il est déjà patelin, gourmand, filou, menteur, paresseux. Je crains qu'il ne chasse de race. Et afin qu'il ne manque rien à la ressemblance, j'en ferai un musicien, hein? Un musicien? Parfois, je le regarde en grinçant des dents et je dis « Si jamais tu devais savoir une note, je crois que je te tendrai le col !» Quoi cela, s'il vous plaît? Ça ne mène à rien. Ça mène à tout? Oui, quand on excelle. Mais qui est-ce qui peut se promettre de son enfant qu'il excellera? Il y a 10 000 à parier contre un qui ne serait comme moi qu'un misérable racleur de corps. Savez-vous qu'il serait peut-être plus aisé de trouver un enfant propre à faire un grand roi qu'un grand violon? De l'or. De l'or. L'or est tout. Le reste sans or n'est rien. Aussi, au lieu de lui farcir la tête de belle Maxime, quand je possède un louis, ce qui n'arrive pas souvent, je me plante devant lui. Je tire le louis de ma poche. Je le lui montre avec admiration. J'élève les yeux au ciel. Je baise le louis devant lui. Et pour lui faire entendre mieux l'importance de la pièce sacrée, je lui bégaye de la voix tout ce qu'on peut en acquérir. Ensuite, je remets la pièce dans ma poche, je me promène avec fierté, je relève la basque de mon habit, je frappe de la main sur mon gousset, et c'est ainsi que je lui fais concevoir que c'est du louis qui est là que naît l'assurance qu'il me voit. On ne peut rien de mieux. Non. Mais s'il arrivait que profondément pénétré de la valeur du louis, hein, un jour, il... Ben, je vous entends. Il faut fermer les yeux là-dessus. Il n'y a point de principe de morale sans inconvénient. Au pis-aller, c'est un mauvais quart d'heure et... Tout est dit. Oui. Je persiste à croire qu'il serait bon d'en faire un musicien. Je ne connais pas de moyen d'approcher plus rapidement des grands. J'ai des projets d'un succès plus sûr et plus prompt. Mmh. Ah, si c'était seulement une fille. Oh. Mais comme on ne fait pas ce qu'on veut, il faut prendre ce qui vient et en tirer le meilleur parti. Pour ça, ne pas donner bêtement l'éducation de Lacédémone à un enfant destiné à vivre à Paris. Je veux que mon fils soit heureux. Autrement dit, riche, honoré et puissant. Il aura de l'or, c'est moi qui vous le dis. S'il en a beaucoup, rien ne lui manquera, pas même votre estime, ni votre respect. Vous pourriez vous tromper. Alors il s'en passera comme beaucoup d'autres. Hein. Bah. Je vous aime mieux musicien que moraliste. Je suis pourtant bien subalterne en musique et bien supérieur en morale. Le sort a voulu que je fusse musicien, moi. Tandis qu'il y a, dans un moulin, à Montmartre, peut-être, un meunier, un valet de meunier qui n'entendra jamais que le bruit du cliquet et qui aurait trouvé les plus beaux chants. Au moulin, bravo. Au moulin. C'est là ta place. Quoi que ce soit que l'homme s'applique, la nature l'y destinait. Comment dites-vous ça? À quoi que ce soit que l'homme s'applique, la nature l'y destinait. Pour moi, je ne vois point de cette hauteur où tout se confond. Perchez-vous sur l'épicycle de Mercure, c'est votre affaire, moi je m'en mêle pas. Je suis de ce monde et j'y reste. La nature fait d'étranges bévues. Il est dans la nature d'avoir appétit. C'est toujours à l'appétit que j'en reviens. À la sensation qui m'est toujours présente. Et je trouve qu'il n'est pas du bon ordre de n'avoir pas toujours de quoi manger. Que diable d'économie! Des hommes qui regorgent de tout, tandis que d'autres qui ont un estomac important comme eux, une faim renaissante comme eux, n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Et le pis, c'est la posture contrainte où nous tient le besoin. Un homme nécessiteux ne marche pas comme un autre. Il rampe, il saute, il se tortille, il se traîne, il passe sa vie à prendre des positions, à exécuter les diverses pantomimes de l'espèce humaine. À votre compte, il y a bien des gueux en ce monde. Oh. Je ne connais personne qui sache
quelques pas de votre danse. Vous avez raison. Dans tout un royaume, il n'y a qu'un seul homme qui marche, c'est le souverain. Le souverain? Et croyez-vous qu'il ne se trouve pas de temps en temps à côté de lui un petit pied, un petit chignon, un petit nez, pour lui faire faire un peu de la pantomime? Quiconque a besoin d'un autre est indigent et prend une position. Le roi prend une position devant sa maîtresse, devant Dieu. Il fait son pas de pantomime. Le ministre prend une position de flatteur, de valet ou de gueux devant son roi. La foule des ambitieux danse vos positions en 100 manières plus viles les unes que les autres devant le ministre. Ma foi, ce que vous appelez la pantomime des gueux est le grand branle de la terre. Chacun a sa petite husse ou son bertin. Ça me console. Il y a pourtant un être à dispenser de la pantomime, c'est le philosophe. Qui n'a rien, qui ne demande rien. Et où est-il, cet animal-là? S'il n'a rien, il souffre. S'il ne sollicite rien, il n'aura jamais rien. Il souffrira toujours. Non, non. Diogène se moquait des besoins. Il faut être vêtu. Il allait tout nu. Parfois, il faisait froid dans Athènes. À moins que si. On y mangeait. Sans doute. Au dépend de qui? De la nature. À qui s'adresse le sauvage? À la terre, aux animaux, aux poissons, aux arbres, aux herbes, aux racines, aux ruisseaux. Mauvaise table. Elle est grande. Mais mal servie. C'est pourtant celle qu'on dessert pour couvrir les nôtres. Avec la diète austère de votre Diogène, il ne devait pas avoir les organes forts. Indocile. Ah, vous vous trompez. Les cyniques étaient les carmes et les cordeliers d'Athès. Ah, je vous y prends. Diogène a donc dansé lui aussi la pantomime, sinon devant Périclès, au moins devant Laïs ou Phrynée. Vous vous trompez encore, les autres achetaient bien cher la courtisane qui se livrait à lui pour le plaisir. Mais s'il arrivait que la courtisane fût occupée et le cynique pressé. Il rentrait dans son tonneau et se passait d'elle. Et vous me conseilleriez de l'imiter? Non. Je veux mourir, si cela ne vaudrait pas mieux que de s'avilir, de ramper et se prostituer. Les choses de la vie ont un prix, sans doute, mais vous ignorez celui du sacrifice que vous faites pour les obtenir. Vous dansez. Vous avez dansé, puis vous continuerez de danser la ville pantomime. Il m'en a peu coûté, il ne m'en coûte plus rien pour cela. Mais je vois, à ce que vous me dites là, que ma pauvre petite femme était une espèce de philosophe. Elle avait du courage comme un lion. Parfois, nous manquions de pain. Nous étions sans le sol, nous avions vendu presque toutes nos niques. Elle, gaie comme un pinson, se mettait à son clavecin, chantait et s'accompagnait. C'était un gosier de rossignol. Ah, je regrette que vous ne l'ayez pas entendu. Quand j'étais de quelques concerts, je l'emmenais avec moi. Chemin faisant, je lui disais, allons, madame, faites-vous admirer, déployez votre talent et vos charmes. Enlevez. Renversée, nous arrivions, elle chantait, elle enlevait, elle renversait. Hélas, je l'ai perdue, la pauvre petite. Outre son talent, c'est qu'elle avait une bouche à recevoir à peine le petit doigt, des dents, une rangée de perles, des yeux, des pieds, une peau, des joues, des tétons. Des jambes de serre, des cuisses et des fesses à modeler. Elle aurait eu tôt ou tard le fermier général, tout au moins. C'était une démarche, une croupe. Oh Dieu, quelle croupe! Je la promenais partout. Au Palais Royal, aux Tuileries, au boulevard. Il était impossible qu'elle me demeurât. Le matin, quand elle traversait la rue en cheveux et en pétant l'air, vous vous seriez arrêté pour la voir. Vous l'auriez embrassée entre quatre doigts sans la serrer. Ceux qui la suivaient, qui la regardaient trotter sur ses petits pieds, qui mesuraient cette large croupe,
dont les jupons légers dessinaient la forme, doublait le pas. Elle les laissait venir et prestement, elle détournait sur eux ses deux grands yeux noirs et brillants qui les arrêtaient tout court. C'est que l'endroit de la médaille ne déparait pas le revers. Hélas, je l'ai perdue, la pauvre petite. Et toutes mes espérances de fortune se sont évanouies avec elle. Je ne m'en consolerai jamais. Mais basta, au dernier jour, tous sont également riches. Le mort n'entend point sonner les cloches. Son âme ne marche pas à côté du maître de cérémonie. Pourrir sous du marbre ou pourrir sous de la terre, c'est toujours pourrir. Voyez un peu l'heure qu'il est. Il faut que j'aille à l'opéra. Qu'est-ce qu'on lui donne? Le d'Auvergne. Il y a d'assez belles choses dans sa musique. Eh, dommage qu'il ne les ait pas dites le premier. Ah ouais. Il est 5h30. Oh, oh, j'entends les cloches qui sonnent les vêpres de l'abbé de Canailles et les miennes. Adieu, monsieur le philosophe. N'est-il pas vrai que je suis toujours le même? Hélas, oui. Malheureusement. Que j'ai ce malheur-là. Seulement encore une quarantaine d'années. Rira bien qui rira le dernier.